Konia mani fare madama ka konia oyere senge. Konia mani fare madama ka konia oyere senge. Konia mani konia fare konia oyere senge. J'ai senti cette vibration des pieds jusqu'à la tête là pendant un moment, ça m'a parlé en tout cas, ouais, vraiment. Le début, que ça commence, qu'il y ait tous ces artistes qui chantent autour de rôle, puis après qu'elle arrive, c'était fort. Tout devant, c'était génial. Rokia est très engagée, très belle, très incisive. Quand elle parle, elle parle pas pour rien dire. Et quand elle chante, c'est tout bonnement sublime. J'ai trouvé que c'était un concert assez apaisant, une énergie assez zen. Voilà. Sans trop connaître, et moi, on a adoré. J'étais avant de venir, et je voulais avoir la surprise en fait, et vraiment une bonne découverte. C'était très chouette, ça rappelait les voyages à Bamako, et voilà, ça donne envie de voyager. Parfois c'était mou, puis à la fin, hop, c'était bien, ça bougeait, et on s'est cru un peu au Mali aussi, c'était cool. J'ai vraiment kiffé. J'ai eu des moments d'émotion et de larmes, quoi. Et en même temps, des moments de joie. Et ça a été hyper agréable. Je ne regrette pas d'être venu. Ah bah, c'était un super moment. C'était un très beau moment. Ouais. On a vécu plein de choses très fortes. Si, Jirisia, Masakuru, Jirisia, Masaganda, Jirisia. Lila masa modedo jajirisia go barabangolo modedo jajirisia yoye awolola kalala. On a découvert une artiste et moi elle m'a totalement j'ai adoré quoi. Très chaleureux et puis ouais plein de sourires et ils étaient vraiment ensemble sur scène, c'est chouette. J'ai bien aimé, surtout la fin là qui a. Alors là il y a eu une explosion de joie, c'était vraiment. Ouais, je l'ai ressenti à fond.